cette vidéo, nous vous présentons la nouvelle génération des solutions de caisse EBP qui ont été revues pour optimiser votre productivité. Commençons par le menu paramètres, situé en haut à gauche de votre écran, symbolisé par cette icône. Vous y trouverez toutes les fonctionnalités nécessaires à la bonne gestion de votre dossier. Concrètement, vous pourrez paramétrer votre dossier de travail, personnaliser votre interface et réaliser vos sauvegardes et restaurations. Certaines de ces fonctionnalités ne sont disponibles qu'à partir de la version Pro, version à partir de laquelle nous faisons cette présentation. Depuis le menu Paramètres Société, par exemple, vous pouvez compléter vos coordonnées, ainsi elles seront reprises dans vos impressions. Vous retrouvez le menu Options comptables pour vos transferts comptables. Depuis le menu Points de vente, en cliquant sur Périphériques, vous pouvez paramétrer les périphériques connectés sur votre poste de travail, comme votre imprimante ticket, votre tiroir caisse, votre afficheur client, mais également votre terminal de vente ou votre balance. Depuis le menu Articles, vous pouvez paramétrer les options de vos articles. Vous pouvez également paramétrer les options générales de vos documents de vente et d'achat en cliquant sur le menu Documents de vente ou sur le menu Documents d'achat. Et comme vous pouvez le constater, vous pouvez faire bien plus encore. Depuis le menu Données complémentaires, en cliquant sur Règlement, vous pouvez ajouter une banque en cliquant sur Ajouter. Vous pouvez également gérer l'emplacement de vos stocks en cliquant sur le menu Stock, puis sur Ajouter. De même que vous pouvez gérer vos taxes en cliquant sur le menu Taxes. Depuis le menu Gestion de dossier, vous accédez à la maintenance des données ou à la suppression d'un dossier. Depuis le menu Import-Export, vous réalisez vos imports et exports paramétrables ainsi que vos imports et exports de données. Et bien sûr, vous retrouvez tous les menus pour gérer vos dossiers, sauvegarde, restauration, création d'un nouveau dossier. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à consulter nos tutos dédiés relatifs à l'ergonomie de votre nouveau logiciel afin que vous puissiez trouver rapidement de nouvelles habitudes de travail.